Fait que j'ai quelques petites choses à aller chercher en ville, fait que je me suis dit que j'allais encore aller checker si y a plus de choses qui sont rentrées. Oh my choses! Dans les choses d'automne. C'est ça, André, il est dans le bain, tu sais, il est puis il fait rien, il fait de le chemin, ça tente de faire des coups. Fait que je veux juste aller en ville. Chercher qu'est-ce que j'ai besoin, puis ben, en même temps, je vais checker ça. C'est vraiment pas grand-chose qu'est-ce que j'ai. Je vais juste pour le loisir d'aller, puis vraiment, c'est ça. Puis ben, c'est ça, je sais que ça rentre d'une journée à l'autre, puis que je vais me faire pogner, genre, puis qu'il n'y aura pas qu'est-ce que je cherche. C'est pour ça que je vais y aller, parce que je vais aussi avoir un pyjama. Tiger. Puis en vrai, je sais que quand ça va rentrer, là, il va juste avoir une coupe de 16, puis j'en aurai. Okay, je vais aller voir. En arrière, c'est la boîte de chaises qui va aller à la shop. Fait que j'ai pas mis ça, c'était comme 150$, je pense, plus taxes pour 4 chaises en cuir sur Amazon. Je pense que c'était 150, 180 peut-être. En tout cas, c'était quand même très pas cher, je trouvais. Fait que c'est ça, j'ai acheté ça, puis. J'ai mis aussi un banc que j'avais à la maison, fait que j'essaye vraiment comme depuis avant-hier de faire du désencombrement dans la maison, puis il y a des choses qui vont aller à la choupe, il y a des choses que je vais faire une yard sale, il y a des choses que je vais juste jeter, que j'ai jeté, que je me débarrasse. J'ai tellement hâte d'enlever le bureau à André, son bureau de travail. J'ai le droit à mes chums passer. Ils m'ont vu faire se parler sur moi, en tout cas. J'étais là aussi. qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Fait que le bureau de travail, puis aussi le bureau de vêtements à André. Fait que là, attend qu'il finisse son shutdown, il devrait finir mercredi soir. Fait que genre jeudi, vêtements gagnés, là, mais comme genre, ça se peut qu'il rentre de nouveau vendredi. Mais sinon, éventuellement, tu sais, dans le week-end, on va être bon pour continuer à attendre. Maintenant, j'ai le stock là-bas. André va être en vacances. Puis moi, c'est ça, je vais essayer de travailler le plus que je peux cette semaine pour aussi prendre comme un peu de temps off, là. Un peu comme des vacances. Puis c'est sûr, on verra rendu fin août. Mais là, ça va être plus des choses d'automne, des rentrées scolaires. La shop, c'est prêt. C'est sûr qu'il manque comme des choses, là, comme il n'y a pas de baseboard, il manque un petit peu de tôle. Mais ça va vraiment bien. On est vraiment contents. Tout est branché. Je pense que c'est juste une machine qui marche pas. Là. En tout cas, on ne sait pas si ça a mal été branché ou si il y a comme un problème. Checker ça après qu'André a fini son shutdown, parce que tout de suite c'est vraiment juste comme il arrive à la maison, il soupe, il se couche, puis il a comme repogné la grippe. Je suis comme what the hell, tu sais. Mais c'est comme ça faisait 3 semaines qu'il y avait le rhume, puis là c'est comme si ça a comme ressorti de nouveau. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est la coco qu'on a pogné là. Fait que, parce que c'était beaucoup plus comme pulmonaire quand j'avais pogné ça, moi, la coco. Puis là, on dirait ça. Je trouve ça filait les mêmes. On dirait que ça s'en va pas, là. Ça, en tout cas. C'est juste que. On avait des sinusites ou des bronchites, puis ça. Ça finit plus. En tout cas. Fait que c'est ça. Ça va être ça qui va être dans mon petit vlog. Je vais aller au Marshalls. Puis. Aujourd'hui, j'ai fait un meal prep. J'ai fait 4 pâtes chinois et 2 comme genre macaroni, sauce spaghetti dedans là, avec du fromage. Parce qu'il me restait 2 pannes, j'étais comme allée user parce que c'était comme 7 et quelque chose genre pour 3 pannes. Là, fait que j'ai ça tout fait. Ça a vraiment bien été. On est lundi. Moi, les lundis, je suis très productive. Un petit peu moins comme à la job, je dirais.
En fait, c'est comme si le lundi, c'est ma journée, genre, comme que beaucoup de monde fait le dimanche. Le lundi, on dirait que je commence la semaine, je suis comme, OK, ménage, organisation, nanana. Tandis que le dimanche, je suis comme, ah, c'est-tu que j'ai le dimanche, hein? Je ça pue les couilles, le dimanche, là, tu sais. Donc, c'est ça, je vais vous laisser, puis je vais vous parler quand est-ce que je vais être rendue au Marshalls, ou peut-être que je vous parlerai pas, parce que quand il y a de la musique, ben là, en tout cas, ça chute, fait que j'enlève, je mets juste de la musique au lieu. Donc, on va aller voir ça, je suis allée cette semaine, puis il y avait un petit peu de choses à rentrer, comme vous avez vu, si vous me suivez sur Instagram, mais là, je vais aller voir ce qu'il y a plus de choses. À suite. En passant, ça s'en vient. Genre, la shop, c'est comme presque fini. Mon projet secret est presque abouti. Mes commandes, ça va être beaucoup du stock acadien tout de suite. Je clenche ça. Puis, on va être en vacances pour 2 semaines et demie. Ben, comme André va être en vacances 2 semaines et demie, moi, je vais probablement, comme, peut-être travailler des petites affaires ici et là, là, je sais pas. Mais, c'est ça, on va être plus en camping, puis plus comme enjoyer. Ça fait que si l'occasion est là, je vais plus vlogger, ou je vais essayer de vlogger, puis je vais essayer de faire mon montage, parce que moi, ça me prend pas longtemps à faire du montage. Je sais que tout le monde, ça lui prend 2-3 heures, là. Il vlog un petit peu plus long parce que je fais moins de montage ou je coupe moins. Mais, ça fait naturel, puis ça, si jamais vous trouvez que je croustille, c'est juste à avancer, baisser ses boutons à droite, dans l'écran, ou vous pouvez aller. Baisser le bouton là, qui fait que ça va comme à 1,5%, ça va être un petit peu plus vite. Donc, ça, c'est comme ça que je fais ça. Fait que moi, une demi-heure, là, c'est fini. Vite fait, puis c'est déjà placé sur YouTube, tout est fou. Je me débarrasse rapide parce que c'est comme. Tu sais, je fais. J'ai pas le temps de faire des bouffes, là, toutes cute. J'ai pas le temps de me peigner, puis de me maquiller comme demi-heure, une heure avant de vlogger parce que je sais que je vais vlogger, j'ai pas le temps. Tu sais, je pourrais le faire pendant le vlog, mais c'est que j'ai pas le temps de faire ça. Fait que, dans le fond, moi, je vous amène dans les choses que je fais. Je sais pas comment vous dire ça. Mais j'avais fait comme un petit sondage, là, sur Instagram, puis c'est ça. Tu sais, il y en a qui aimaient beaucoup comme. Des vlogs avec beaucoup d'activités. Il y a du monde qui aimait moins ça, qui était comme moi j'aille ça, les activités. Moi j'aime ça avec des petits vlogs de maison. Mais moi c'est vraiment sur le tout. Genre je suis comme. Moi je suis comme je vlog sur le tout. Puis c'est rare que je prévois quelque chose puis que je prévois d'avance. À moins que c'est comme une vidéo assis là. Sinon c'est vraiment comme hey, là je vais vlogger. Fait qu'il n'y a pas de maquillage, de toutes sortes d'affaires. Puis genre, je peux pas prendre une demi-heure pour me maquiller parce que je suis en train de travailler sur la business ou je suis en train de faire. Tu sais, je suis comme ailleurs, là, tu sais, ou que je prends du temps pour moi-même, là, tu sais, puis mon temps pour moi-même, ben, je peux pas s'entendre pas parler, je vois. Éventuellement, ça va venir que je vais être plus à jour dans beaucoup de choses. Ça fait que, en tout cas, peut-être que je serai plus cute à l'écran. À suivre, mais. Pour l'instant, donc je continue parce que là je sais que vous aimez pas ça, des vlogs exclusivement dans le char, mais c'est ça. Puis en passant, dernière petite chose, excusez, j'arrête pas là, mais quand j'ai fait mon sondage sur Instagram là, il y a une dizaine de personnes qui m'ont dit j'aime regarder des vlogs mais je ne veux pas vlogger. Il y a du monde qui a dit je vlog, tu sais comme des filles. Vlog là, que je connais et que j'ai sur Instagram. Et il y a beaucoup de personnes, au moins une dizaine, qui m'ont dit qu'ils aimeraient ça vlogger, mais ça les gêne. Là, là, c'est votre chance. Go! Arrêtez d'essayer de faire ça parfait, là. Let's go! On vlog, et vous me taguez, puis vous me dites j'ai fait un vlog, viens t'abonner. Moi, je m'abonne à tout le monde, là. Moi, je suis comme, oh my god, là, les nouvelles, je veux te connaître. C'est les vlogs les meilleurs, genre, les premiers vlogs que t'apprends à connaître les personnes. T'es comme, hein, toi, t'es ça, tu sais. T'es cette personne-là, ok, tu fais ça. C'est comme les meilleurs, genre, moi, c'est mes préférés. Donc, je sais que présentement, là, il y en a une nouvelle. Elle en faisait comme beaucoup en ligne, puis là, elle a arrêté. C'est les vlogs de Mom x 4, si je me trompe pas. C'est comme Mom x 4. En tout cas, elle a 4 enfants.
Puis on dirait qu'elle a déjà le tour, je suis comme t'es dans ma mignonne. En tout cas, fait que allez la suivre. Je l'écrirai là dans les commentaires c'est quoi son nom de sa chaîne, là, mais comme souvent elle vient commenter en dessous de mes vidéos là. Mais comme si vous commencez puis whatever là, comme attendez pas qu'on apparaît là puis qu'on vous voit là. Comme si tu fais des vlogs, tag moi, dis-moi, viens me dire sur Instagram, hey j'ai fait mon premier vlog, va voir, moi je suis really excitée là, puis comme je suis pas dans le jugement, je suis contente, je suis comme yes, il y a du monde, j'aime ça vous suivre, puis je trouve ça vraiment cute, puis en tout cas si jamais aussi vous êtes pas sur Threads, allez sur Threads, moi j'ai ri tellement là-dessus là, c'est comme genre mon application que j'adore présentement, je suis comme oh my god. Comme, je trouve que c'est le fun parce que je suis pas nécessairement comme des grands créateurs de contenu. C'est plus juste du monde comme des abonnés, n'importe qui. Comme, si t'es abonné à ma chaîne, dis-moi genre de venir m'abonner à ta chaîne si tu publies sur Threads. Comme, viens me dire sur Instagram. En tout cas, je trouve ça super intéressant. Comme là, je suis de dos là. Pis comme, ah non, on rit tellement, là, comme, on met des pauses, pis là, après ça, on vient de parler sur Instagram. Mais ouais, non, c'est ça. Comme, moi, je suis vraiment pas difficile d'accès, là. Pis, une dernière chose, oh my god, c'est tannant, comme genre, le vlog va durer des heures dans le char, désolé. La fin de semaine passée, je pense. En tout cas, ça fait une couple de jours de ça, là. Peut-être comme 5 jours, là. J'ai vu une abonnée et j'ai capoté, genre. J'étais en trottinette électrique. Puis moi puis André, on a chacun une trottinette électrique, OK? Fait qu'on se promenait, puis on s'en allait au quai. Puis, il y a quelqu'un qui m'a crié, « Annie! » Là, je m'ai tournée, puis j'étais comme, « Ah, ça devait être quelqu'un qui veut me faire une commande création, moi, tu sais. » En tout cas, elle est comme, viens c'est là, je vais voir, tu sais, je suis comme, hey, tu sais, allô? Moi, je suis habituée comme que c'est des gens qui m'arrêtent pour me parler de création de moi, tu sais, c'est comme, hey, peux-tu me faire une tasse, non, tu sais, pis là, donnons, mettons le numéro de cellulaire, comme, ça, comme, je vais aller sur Facebook, pis, tu sais, je vais aller sur ta page, je viens te demander si ça se faisait, ou tu sais, comme, ils ont cliqué quelque chose, oh my god, tu fais tout ça? Ça fait qu'en tout cas, qu'est-ce qu'elle m'a crié, j'ai dit là-bas, elle m'a dit, j'écoute tes vlogs! Est-ce que j'étais assez contente, puis on dirait qu'elle était comme mal à l'aise, genre, de comme me dire, de comme me déranger. Je suis comme, voyons, tu te déranges? Zéro, genre. Puis souvent, j'en vois comme des gens de parasites, là, c'est comme, oh, j'écoute tes vlogs! Puis comme, tu sais, des gens comme un petit peu plus vieux que moi aussi, je suis comme, oh my god, c'est dommage fun, parce qu'il y a du monde comme dans 40, cinquantaine qui m'écoute, puis comme tu sais, du monde comme plus mon âge, mettons 36, 37, 38, 39, là, 42, 45, peu importe, là. Puis en tout cas, je trouve ça le fun parce que c'est pas juste comme des jeunes, comme tu sais. Puis c'est ça, je me dis, ça veut dire que je touche quand même un public, whatever, ou des gens comme tu sais, dans la 30-40, là, que tu sais, qui comme. En tout cas, ça fait comme du divertissement là, pour une différente art. Je sais pas. C'est plus tout le monde, tu sais, dans le fond. Là. Mais c'est ça. En tout cas, pour revenir à ça, c'est que j'étais vraiment contente de l'avoir. J'étais comme, regarde, tu te déranges pas. Moi, je capotais, là, tu sais. Il y a quelqu'un du Québec, genre, qui est dans mon village, qui est comme, yo, tu sais. J'étais comme, voyons, qu'est-ce que tu fais, tu sais. En tout cas, fait que c'est ça, je m'en vais au Marshalls. J'ai parlé tout le long de la drive. Et j'arrive dans pas long, c'est ça, à plus! First thing first, je vais aller au Giant Tiger. Oh, ça c'est pas cher. Ça là, c'est les meilleurs leggings. Il les a en petite coupe de même, il les a en plus long, il les a en trois quarts, puis en long. Cette année, il n'y en avait plus de ma size. Je suis comme qui se calme toutes les gens. Je ne sais pas encore arriver. C'est sûr qu'il y a comme qui fait comme un petit peu autumn, c'est ça. Vraiment dans l'été, je comprends pas. Ils sont cute, hein. Tu sais, c'est tellement pas cher, là. C'est bien.
Non, y'a rien. Check it comme il est cute. C'est 10 piastres, tu sais. Il y a des belles affaires des fois dans les petits garçons. Hein. J'aimerais le top, mais je trouvais que les petits. Le bout est cute, les petits garçons comme les. Les petits trucs. C'est proche d'arriver parce que regardez. Ça n'a même pas la bonne couleur. Mais tu sais, c'est rentré, ça veut dire que ça s'en vient. Bon, la grosse déception, hein? Ils vont encore arriver. Ça s'en vient, je le sais, je le sens. Là, je rentre au Marshalls. Pringles. So, je m'ai acheté un Pringles, une bouteille d'eau. Puis le reste, ben, c'est pas mal. Des choses pour mon entreprise. Rien d'excitant. Rien de wow. Des choses qui vont être le fun. Mais genre, du matériel que j'avais besoin. Il y a un petit chien.
Checkez-moi les cils. Fait. Un beau bébé. À tout. Manger carotte. Assis. Assis. Assis, Charlot. Assis. Moi, une seule carotte. Donne là-bas. Donne là-bas. Donne là-bas. Hey, mange pas les mêmes, maman. Donne. Donne là-bas. Hey, assis. Bon, aujourd'hui, j'ai marché 1,5 km. Hier, j'ai marché 2,5 km. Fait que là, je suis rendue à 4 sur 20. Une petite écœurantite d'être en maison. Je vais fermer, je pense, les commandes pour les chandails acadiens pour quelques jours, juste pour terminer ce que j'ai à faire. Ensuite, c'est ça. J'ai eu beaucoup de commandes les derniers jours, là, puis là, je suis comme overloadée. Mais il faut que je sorte dehors parce que j'en ai besoin mentalement. Fait que c'est ça, je voulais vous faire montrer. Je me suis acheté quelques robes sur Amazon. Je sais pas, je vais les garder parce que là, je suis comme, il reste un mois. Mais je pense que je vais les essayer, puis je vais décider ensuite ce qu'il y a que je veux vraiment garder. C'est ça, je voulais me laver la tête. Fait que je vais aller à la shop pour commencer. Je me lave la tête, je vais essayer mes petites robes. Puis ensuite, on va probablement fermer le vlog. Rendu à presque 2 km. Ça marche vraiment bien depuis que j'ai acheté un Oppo à Charlot. Fait que l'autre fois, je vous avais dit que j'avais commandé des robes sur Amazon. Fait que je voulais juste vous les faire montrer. Je viens de les ouvrir. Ils sont arrivés, ça faisait comme une semaine. J'avais même pas le temps de les sortir parce que je voulais vraiment vous les faire montrer. Mais regardez, il y a des poches! Elle est vraiment belle, je l'aime. C'est encore plus beau en vrai, je trouve. Fait que j'étais comme pas pour la garder parce que je me disais, oh my god, comme l'été arrive fini, puis sérieusement, à mon avis, l'été est fini, comme il fait même plus beau, là. Mais c'est ça, je la trouve trop belle, fait que je vais la garder pareil. Donc j'ai pris X large, puis j'ai pris sur Amazon. T'es tannant, Charlot! Fait que celle-là, elle est comme picotée. Rose et blanc. Que c'est vraiment juste comme une petite robe t-shirt, là. Ben, simple. Je trouve qu'elle fait un petit peu jaquette, par exemple. Puis, derrière, elle a comme une petite. Tu sais, comme un élastique, là, un peu, là. Puis, elle aussi, elle a des poches. Mais, je sais pas trop. Je pense que celle-là, je vais la retourner. Ensuite, je me suis pris celle-ci. J'ai pris X large, puis je pense que j'aurais peut-être dû prendre large. Mais je trouve qu'elle est correcte. Fait que elle est comme grande, là. Mais je pense que je vais la garder parce qu'elle va probablement garder les manches. C'est comme. Tu sais, je la trouve un petit peu grande, mais en même temps, tu sais, c'est pas trop tight sur mon ventre. Elle a des poches. Puis, c'est ça. Je l'aime quand même si elle est grande. Puis qu'elle fait penser à un pyjama, je me dis, elle va probablement fouler. Fait qu'elle va venir juste parfaite. Donc, celle-là, je vais la garder. La rose, je vais la retourner.
puis la mauve, je la garde. Mais je l'ai acheté aussi en large, fait que je vais l'essayer. Là, fait que ça, c'est la large. Mais tu sais, comme elle ressort plus ici, ça fait qu'en vrai, je trouve que ça fait plus sortir mon ventre. Normalement, c'est pas vraiment mon style, là, comme des petits designs comme ça. Là. Mais je sais pas, on dirait j'étais comme moi j'ai vraiment j'adore le mauve là. Fait que je sais pas, on dirait j'étais comme oh elle est belle. Désolée, vous entendez Charles en arrière. En tout cas, elle est tellement douce là, c'est fou. Fait que, en tout cas, je vais me décider qu'est-ce que je vais faire là, si je prends un large ou X large, mais je voulais être certaine qu'elle me fit, ça fait que j'avais commandé les deux sizes. J'ai juste en gardé deux, mais oh my god, j'en viens pas, comme toutes les robes ont des poches. Comme sérieusement, ils sont plus nice que celui-là de Shein. J'étais pas pour en garder une troisième, parce que, tu sais, c'est ça, là, l'été arrive fini. Mais je l'aime trop! Puis comme, genre, j'aime vraiment la couleur, comme, ça fait vraiment beau. Je trouve que ça fait encore plus beau en vrai, là. Je sais pas ce qu'on peut voir vraiment, mais vous vous souvenez, je n'avais acheté une blanche, puis elle était transparente, ça fait que... Si je me trompe pas, c'est comme exactement le même modèle. J'essaie de trouver la bonne teinte, là, mais... En tout cas, alors, je sais pas vraiment. Vive les cellulaires. Mais c'est ça, tu sais, elle était transparente. Ça fait que celle-là, elle est pas transparente. Elle est parfaite. Fait que je pense que je vais la garder. Puis si jamais que l'année prochaine que je perds du poids, ben elle va me fitter pareil. Tu sais, au pire, je les envoie dans la sécheuse. Mais elle va me fitter pareil parce que, premièrement, tu sais, un élastique... Puis, c'est ça, des robes de même, là, on dirait ça fit, même si c'est plus grand. Ça va juste plus tomber long, tu sais. En tout cas, fait que je la garde, je l'aime. Ah, je suis vraiment contente. My God. Là, j'arrive juste de marcher. Et j'avais mis mes cheveux lousses, juste pour... Parce que je trouve que essayer des robes avec les cheveux attachés, c'est pas si beau. Charlot s'en va se faire laver. Il a écrasé mon lit, mais j'ai aussi lavé mon lit. Mon lit est du... Chalot. Et tu fais... Frisou. Frisou. Pidou. Bon, fait que là, je m'en vais amener Charlot. Ça fait laver. Viens t'en, Charlot. Tu sais, je lave toujours mon linge avant de le porter. Mais là, c'est ça, j'étais comme... Oh, je la laisse sur moi. Là, vous allez voir, il y a plein de choses partout. Il y a des choses qui vont à la shop, il y a des choses qui vont à New York Sale, des choses je me débarrasse. Fait que là, j'y vais. Parce que je vais t'entendre. Fait que voilà, c'est ça mon projet secret. C'est une boutique mobile. Donc, ça fait depuis cet hiver qu'on travaille là-dessus. André a tout réparé le trailer. Puis là, je l'ai décoré. Puis il est presque prêt pour le premier pop-up shop. Donc, ça va fonctionner sous forme de vente. Fait que c'est ça, je suis super excitée. Fait que pour les gens de par chez nous, suivez-moi sur Facebook et sur Instagram, Création Moi Design, pour savoir c'est quand la prochaine vente. Je suis vraiment contente de ce projet-là. Ça va faire différent. Puis ça va me permettre de vous rencontrer aussi. Fait que j'espère que vous êtes autant contents et excités que moi. Fait que merci beaucoup. Là, fait qu'on s'en va manger encore. OK! Thank you.